bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour le thème du jour, ce que je vous commande. Alors, on va regarder cela dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15. Dans quelques instants, restez bien connectés. Dites-moi d'où vous êtes, ce beau pays, cette belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant, encore une fois, de mon ami Julien Adam, « Si je dois trembler ». Ça sera seulement devant toi, Seigneur. Alors, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va, ensemble. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas, ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi, mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, tant que mes pas fouleront cette terre. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Oui, ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Ce que je vous commande, Jean chapitre 15, verset 17 à 20. Alors, ça dit ça comme suit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors, vous savez qu'il y a plus de 100 millions de chrétiens
persécutés sur cette planète en ce moment. Imaginez, 100 millions de chrétiens persécutés. Alors, de quoi pouvons-nous nous plaindre, nous, avec les mini-persécutions que nous vivons dans nos pays respectifs pour l'instant? Peut-être, je ne sais pas d'où vous êtes ce matin, mais je crois qu'en majorité d'entre nous, nous ne vivons pas de grosses persécutions. Alors, nous vivons une période, bien sûr, où le non-sens prend le dessus sur le bon sens. Alors, on a mis Dieu dehors de nos institutions, ça, on le sait tous, et on laisse entrer n'importe quoi, n'importe qui, enseigner n'importe quoi aussi à nos enfants. Alors, vous savez, dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 5 à 9, ça dit « Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens, les spécialistes de la loi, se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou en quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pierre, est rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. » Très bien, quelqu'un qui a été guéri et on n'est pas content. Alors, c'est fou, hein? La nature humaine, elle est un petit peu bizarroïde parfois lorsqu'elle veut s'attacher à son pouvoir. Et dans le contexte ici, nous sommes à une époque où le gouvernement a le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Mais on continue de prêcher Jésus quand même. C'est la prédication de Jésus qui enlève le voile spirituel. En ce moment, l'essentiel n'est pas de tirer sur tout ce qui bouge ou de tirer sur tout ce que nous ne sommes pas d'accord avec, mais de prêcher la vérité, Jésus. Ça dit dans Actes 4, 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Est-ce que nous avons cette pleine assurance lorsque nous témoignons de Jésus? Est-ce que nous avons cette pleine assurance-là? Est-ce que nous avons cette conviction-là? Parce qu'on l'a chanté. Je ne tremblerai pas. Je ne vais pas trembler parce que je veux partager ma foi. Je ne vais pas trembler parce que je suis un chrétien et que je dois m'afficher. Non, je ne vais pas trembler parce que je ne suis pas animé de n'importe quoi. Je suis animé du Saint-Esprit. Alors, dans ces temps de la fin, nous allons être persécutés par rapport à notre foi, mais nous allons déclarer, comme le dit dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 20, « Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, dans plus de... ça fait 40 ans bientôt que je suis sauvé, et j'ai vu Dieu à l'œuvre à plusieurs reprises. J'ai vu des gens, des choses extraordinaires se passer, et je ne peux pas ne pas annoncer ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Alors, comprenons que nous devons demeurer évidemment respectueux et humbles face à nos autorités, mais nous devons aussi être obéissants à ce que Dieu désire de nous. Le temps n'est pas à entrer dans des débats théologiques sur les réseaux sociaux ou se déchirer entre chrétiens, mais plutôt à être la lumière du monde et le sel de la terre dans une société assombrie. Et rappelons-nous que Dieu demeure en contrôle et il nous garde près de son cœur afin que nous annoncions sa parole en tout temps avec assurance, amour et compassion. Dites amen si vous êtes d'accord avec cela. Alors, oui, c'est notre mandat. Notre mandat n'est pas de tout simplement tirer, encore une fois, et mettre sur la place publique toutes choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. On est là pour annoncer Jésus, prêcher Jésus, briller, être le sel, encore une fois, de cette terre. Alors, et on
on est là pour s'unir ensemble pour ce combat. Alors, on va prier. Beaucoup de sujets de prière ce matin. On y va ensemble. Yes. Seigneur, nous prions pour la santé de Catherine. Merci, Seigneur Dieu, de poser ta main sur Catherine. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps. Nous prions pour Sophie, qui a des douleurs au bras droit, douleurs intenses. Seigneur, alors, tellement douloureux qu'on lui donne de la morphine pour cela, Seigneur, alors, merci de la guérir, de la restaurer complètement et entièrement. Nous prions pour Bernadette, pour ses petits-enfants, et de les bénir, de les combler, de les garder, et pour Bernadette, et Bernadette également, que tu bénis. Que tu combles de ta présence. Nous prions pour Anne qui a été diagnostiquée de la maladie de Schulman, une maladie très rare, Seigneur, tu connais. Merci, Seigneur, afin que les douleurs disparaissent et afin qu'elle puisse avoir des bonnes nuits de sommeil. Nous prions pour Olivier qui souffre depuis peu d'une grosse dépression et il dort très peu. Merci, Seigneur, de poser ta main sur Olivier. Nous prions pour Peggy, pour des maladies auto-immunes. Merci de la visiter, de la guérir, de la restaurer. Nous prions pour Jean-Baptiste, 20 ans, afin qu'il trouve du travail stable ou qu'il reprenne ses études ou une formation pour un travail, selon ce qui est juste et sage, Seigneur, devant toi. Merci, Seigneur Dieu. Surtout que Jean-Baptiste puisse retourner à toi. Prions pour Léopold qui souffre d'insuffisance rénale, Seigneur, de le bénir, de le restaurer, de le guérir complètement et entièrement par ta main toute-puissante. Je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les accompagner tout au long de cette journée, de poser ta main sur chacun d'eux, chacune d'elles. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Soyez doublement bénis en cette journée. Que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.